mes matières premières sont des outils et je n'aime pas plus une que l'autre. Je ne suis pas plus jasmin que fleur d'oranger. Je suis super infidèle, quelque part. Je les aime parce qu'elles me servent aujourd'hui dans un cas concret, dans un cas précis. J'ai un dialogue assez constant avec mes fournisseurs. Je les protège, j'en prends soin de mes fournisseurs. Comme eux-mêmes prennent soin de la plante. Et je pense que les plus belles émotions qu'on en ait, aussi bien en musique, en peinture, c'est quand la matière disparaît. Elle disparaît au profit de l'émotion. Et c'est ça, ma mission, c'est ça, c'est d'utiliser des matériaux et de faire disparaître ce qu'ils sont pour autre chose. Nous pouvons étudier la chimie. Nous pouvons apprendre à reconnaître les odeurs, à les combiner, mais ça ne fait pas de nous un créateur. Je peux apprendre à peindre et je pourrais recopier le Caravage ou Michelangelo à la perfection sans pour autant avoir ce génie de la création. Pour moi, le parfum fait partie de ce territoire d'expression où on va transcender la matière première pour aller dans une création. Il y a une usine, un process, une fabrication, des matières premières, des... Il y a 30 personnes qui vont se mettre derrière au service de tout ça. Parce que je suis le seul à sentir dans les premières semaines, les premiers mois. Puis j'inclus Marc, je lui fais sentir. Puis on va inclure 2-3 personnes de la maison, petit à petit, pour essayer de voir quels sont les premiers retours. Et puis on va interroger 2-3 personnes clés, suivant le projet. On ne va pas interroger tout le monde tout le temps. C'est des gens qu'on choisit, qui vont me donner leur avis. Souvent, il n'y a pas grand-chose à retoucher.